Allons voir maintenant comment utiliser la table de labo dans Minecraft afin de créer différents produits. Alors, allons la chercher dans notre inventaire, toujours dans la section Objets. Dans la trousse de chimie, la table de labo est ici. Je me suis aussi préparée à l'avance quelques composés. Par exemple, j'ai créé de l'eau avec le créateur de composés. J'ai créé aussi de l'hypochlorite de sodium. J'ai créé de l'ammoniac et je me suis placée aussi du phosphore dans mon inventaire. Alors, maintenant, allons placer la table de labo dans notre monde en cliquant sur le bouton droit. Ensuite, toujours en cliquant sur le bouton droit, on peut l'ouvrir. Et c'est ici qu'on va aller placer nos différents éléments ou nos différents composés afin de créer des produits. Alors, le premier produit que je veux créer, c'est de l'eau de Javel. Alors, pour ce faire, je vais utiliser 3 parts d'eau. 1, 2, 3, en cliquant sur ici, sur le bouton droit de ma souris. Et je vais utiliser 3 parts d'hypochlorite de sodium. 1, 2, 3. Je viens placer le reste ici. Je combine ces éléments-là et ça me crée ici de l'eau de Javel que je peux aller chercher et placer dans mon inventaire. Donc, vous voyez maintenant que l'eau de Javel est dans mon inventaire. Je pourrais m'en servir. Un peu dans le même esprit, maintenant, allons créer un super engrais. Alors, ces recettes-là sont disponibles aussi dans le journal de laboratoire de chimie là, qui a été partagé dans la formation. Donc, j'ouvre à nouveau ma table de labo. Je vais maintenant utiliser de l'ammoniac une fois, ainsi que du phosphore une fois. Pour les combiner afin de créer maintenant du super engrais que je viens récupérer pour placer dans mon inventaire et je vais pouvoir m'en servir pour faire pousser mes plants dans Minecraft. Alors, vous voyez que c'est possible à partir de recettes existantes de créer ces produits-là. Maintenant, si on essaie de combiner des éléments ou des composés qui ne vont pas ensemble, par exemple, si j'utilise une part d'eau, une part d'hypochlorite de sodium et une part d'ammoniac et que j'essaie de combiner ça, comme ce n'est pas un produit existant, ça crée ce qu'on appelle un déchet dans Minecraft qui vient quand même se déposer dans notre inventaire. Alors voilà pour l'usage de la table de labo dans Minecraft.